misère, de misère. Je commençais un petit peu à m'inquiéter pour les filles. J'espère qu'ils vont y arriver pour essayer de débarrasser de Agatha la sorcière. Ça, c'est sûr. Non, vous inquiétez pas, Maître Tigrou. Enfin, j'espère que les filles vont peut-être réussir à débarrasser. Enfin, j'espère en tout cas. Ouais, t'as peut-être raison, Elena. T'as peut-être raison. Ah, chouette, je suis enfin revenue. Bonsoir, Maître Tigrou. Désolée, je me suis un petit peu paumée tout à l'heure. Mais en revanche, je suis déjà revenue, ça y est. J'étais partie à un rendez-vous chez le dentiste, c'est pour ça que j'étais pas là depuis... Bah là, un instant. Et donc, je suis là, ça y est. Bah Annika, enfin tu es arrivée pile poil. Oh, tu as emmené Lockett et puis Amore. Oui, ils sont inquiétés pour quelqu'un. Bonjour Maître Tigrou, on s'est inquiété pour Bloom et puis c'est là. Oui, je sais les filles, enfin de toute façon les filles ils sont en train de commencer à débarrasser de Agatha la sorcière parce que c'est le soir et c'est pour ça que voilà. Bon bref, il faut vraiment que j'y aille, les filles m'attendent, de toute façon vraiment je me dépêchais. T'as raison Annika, et soyez prudents. Bonne chance les filles. Soyez prudents, n'oublie pas tu essaierais... Ah oui t'es pas au courant. Il faut que tu sauves Winnie l'ourson. T'inquiète pas, j'ai tout prévu. Lockett, Amore, vous restez ici chez Maître Tigrou, d'accord? Pas de soucis, Annika. Allez, j'y vais. Hop là, téléportation pour rejoindre les filles. Bon, perdu, encore une fois, tu les as trouvés. Bon, j'espère qu'ils ont rien trop grave pour les autres. En tout cas, j'espère que Bloom et Stella vont bien. Je m'inquiète un peu pour les filles. Moi aussi, je m'inquiète. Mais t'inquiète pas, ok, de toute façon. Peut-être que